Hello tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la 13e vidéo dédiée à Jenkins. On va commencer petit à petit à rentrer dans des choses un petit peu plus intéressantes, c'est-à-dire la partie pipeline. Aujourd'hui, on va découvrir un plugin qui s'appelle le plugin Delivery Pipeline, qui permet quand on a des jobs en cascade, d'avoir une visualisation un petit peu plus sympathique pour voir les dépendances des uns par rapport aux autres et de voir un petit peu visualiser rapidement les résultats. Alors pour ça, on va utiliser. Donc là, je vous mets le lien vers hop, la page du plugin. Donc le plugin, vous l'avez ici, Delivery Pipeline Plugin. Hop. Bon, ça mouline un petit peu, voilà. Et donc vous voyez, ça donne des choses comme ceci, assez intéressantes. C'est-à-dire qu'on a des builds en cascade, donc des jobs en cascade. Donc là, c'est le nombre des jobs avec les versions, etc. Et on va avoir une visualisation assez rapide des résultats. Donc nous, qu'est-ce qu'on a jusqu'ici? J'avais créé un premier job qui enchaînait avec un deuxième job et maintenant qui enchaîne avec un troisième job. Donc j'ai créé quelque chose en cascade. Si on se rend sur mon premier job, voilà, ici on peut vous visualiser. Ça nous dit, voilà, en amont on a mon premier job, en aval on a quoi? Mon troisième job. Donc on a bien quelque chose en cascade. Donc nous, on veut installer le plugin. Donc pour installer le plugin, on se rend dans Gestion des plugins. On se rend dans disponible, moi je l'ai déjà installé, mais on se rend dans disponible, on tape delivery et là on le retrouve. Donc moi je l'ai déjà installé, donc si je tape delivery ici, delivery pipeline plugin, donc c'est bien le plugin en question, vous cliquez sur installer, il va s'installer, vous redémarrez Jenkins et vous aurez votre plugin. Donc comment on utilise ce plugin? C'est assez simple. On clique sur le plus des nouvelles vues. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente, le système de vues, hein, les deux types de vues, les vues personnalisées, etc. Nous, on clique sur plus et on va utiliser le premier ici, Delivery Pipeline View. Donc là, on va mettre Pipeline 1, par exemple. Donc je clique sur OK. Et là, derrière, j'ai des éléments qui permettent de configurer un peu plus finement la vue. Donc en l'occurrence, on va pouvoir aller. Alors, hop, que je retrouve. On va aller ajouter ici un job. En l'occurrence, le job initial, nous, on va mettre mon premier job ici. Le titre. Donc là, on va. Alors, c'est le name du pipeline, effectivement. On va l'appeler mon. Hop, mon. Premier pipeline, hop, ok. Alors ça s'appelle pipeline, c'est pas là en l'occurrence. On est si on regardait vraiment dans le détail, on n'est pas sur du pipeline, on est sur des jobs qui dépendent les uns des autres. C'est pas tout à fait la même chose au niveau de Jenkins quand même. Là, vous voyez, on peut configurer les choses de manière assez fine. Ici, on peut configurer le nombre de pipeline d'instances de pipeline qu'on peut voir sur chaque vue. Le nombre de colonnes, comment on veut le classer, hop, voilà. Voilà. Bon, je vous invite à regarder tout ça, on va pas regarder tout dans le détail. On peut regarder, alors je crois qu'il y a, où est-ce que je l'ai vu celui-là? Donc on a aussi un thème, on va se mettre en thème contraste, on va sauvegarder. Et on va visualiser. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai lancé mon job une fois, mon premier job, et voilà ce que ça peut nous donner. Donc on a une vision de qui dépend de qui, donc l'ordre des choses, s'ils sont bien déroulés, en rouge ou en vert. Donc ça c'est assez sympathique. Dans la configuration, donc si on veut reconfigurer la vue en cours, on fait éditer cette vue à gauche. Ici et puis donc là on va pouvoir afficher les agrégats, les change log. Alors pourquoi je peux pas le faire? Ah, peut-être parce que je suis pas concerné. Donc ce qui est intéressant, voilà, enable start a new pipeline build. Donc ça on va l'activer. Le manuel trigger. Et puis on va laisser ça. Donc là on peut afficher des choses supplémentaires. Les dates et les heures, ça c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toc, toc. Donc là c'est déjà pas mal, on va l'avoir fait évoluer. Donc là,
ce qui a été rajouté. Donc vous voyez ici, on a les heures et les durées à chaque fois. Bon là, c'est des durées en secondes. C'est normal, on est sur des jobs assez courts. Ce qui est intéressant, voilà, quand je déplace ici, si je zoome un petit peu, alors on va faire comme ceci. Ici, j'ai une horloge et si je clique dessus, ça va lancer un build automatiquement. Vous voyez, donc là, le premier job a été lancé. Le deuxième job doit être en train de se réaliser. Voilà, hop, il passe au vert. Et le troisième job, vous allez voir, il va passer au vert aussi. Et voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Ça permet de lancer très rapidement les jobs. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Use relative links, navigation. Je crois que ça peut être intéressant aussi. Ok, enable patching. Alors on peut avoir une pagination effectivement, et puis on peut aussi changer tout simplement la vue. Donc là, on va se glisser comme ceci. Donc là, ce qui a été rajouté, vous voyez, c'est cette partie-ci. C'est les détails au niveau du trigger. Qui est-ce qui l'a lancé? Donc c'est l'user admin. Et les commits en question. On verra, il y a un autre plugin. Dédié au pipeline qui est aussi intéressant, mais il faut qu'on ait vu d'abord les systèmes de pipeline de Jenkins avec les Jenkins files, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve ce plugin assez pratique en termes d'organisation. En plus, il se rajoute au niveau des onglets, donc c'est assez pratique. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Xavki.